plus 6 240 euros par an en misant sur les cotes que je vais te présenter. Sinon, ce n'est pas un titre accrocheur, ce n'est pas quelque chose de magique. Je vais tout simplement te démontrer ce chiffre immédiatement dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu sais que quand tu as l'ambition, eh bien, de générer un revenu à long terme dans les paris sportifs, eh c'est une ambition qui est assez élevée et tu dois te donner les moyens d'y arriver. Okay? Si tes ambitions sont là, mais que tes actions sont ici, ça ne va pas aller. Alors, tu dois notamment te donner le moyen d'accéder, écoute bien, aux meilleures cotes du marché, aux meilleures cotes du monde, les meilleures cotes possibles. Et ça, c'est indiscutable. Alors, j'insiste toujours là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est l'action la plus simple à mettre en place et qui va te donner immédiatement des résultats. Parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, t'as pas besoin d'être un meilleur parieur, tu as juste besoin d'accéder aux meilleures cotes. Donc, c'est l'action la plus simple. C'est beaucoup plus simple d'accéder aux meilleures cotes du marché que de travailler son mindset, que de travailler des stratégies live, pré-match, etc. Donc, c'est pour ça que si tu me connais déjà un peu, tu sais là que j'insiste toujours sur les cotes, les cotes, les cotes, te donner les moyens d'accéder aux meilleures cotes du marché, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est assez simple. Alors, aujourd'hui, moi, je trouve hein, qu'encore maintenant, il y a bien trop de parieurs qui négligent cet aspect-là. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo supplémentaire avec un exemple concret que j'ai pris aujourd'hui. Hein, au moment où je fais cette vidéo, hein, aujourd'hui, il y a un match de Champions League ce soir. Chelsea contre Real Madrid. Le match sera passé au moment où tu verras cette vidéo, mais c'est pas grave. Et j'ai été chercher les cotes de ces deux matchs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai comparé les cotes de Unibet.fr, qui pour info est un bookmaker français, un bookmaker Argel, et les cotes de Piwi247. Piwi247, c'est quoi? C'est un betting exchange accessible depuis Belgique, France, tout autre pays, et qui est tout simplement le clone, la réplique de Betfair. Donc, Piwi247, ce que tu vas voir ici, ce sont les cotes de Betfair, exactement les mêmes cotes, et tu vas voir la différence de cotes. Alors, moi, j'ai noté les cotes ici sur mon petit carnet parce que je ne vois pas directement sur le tableau. Si tu regardes bien, la cote de Chelsea est à 2,09 sur Unibet.fr et 2,18 sur Piwi247. Le match nul est à 3,28 contre 3,40. Et la victoire du Real Madrid est à 3,78 contre 4,00. Donc tu vois, ces différences-là, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Si je prends une mise de 100 euros, eh bien, tu vas gagner 9 euros en plus sur le betting exchange Piwi. Tu vas gagner, donc si Chelsea gagne, pardon, si Chelsea gagne, tu vas gagner 9 euros en plus. Sur le match nul, tu gagnes 12 euros en plus. Et sur la victoire du Real Madrid, tu gagnes 22 euros. En plus. Alors, ces trois événements ne vont pas tomber ensemble. Évidemment, ça va être un des trois qui va tomber. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une moyenne en fonction des probabilités. Donc, en moyenne, ok, sur ce match-là, tu vas gagner 13 euros en plus. C'est une moyenne, ok, des trois profits supplémentaires que je viens de te donner. La moyenne pondérée, c'est 13 euros sur ce match, sur ce pari pour une mise de 100 euros. Alors, 13 euros, peut-être que tu te dis, ouais, c'est pas grand-chose, 13 euros pour une mise de 100 euros. Eh bien, détrompe-toi, parce que c'est sur un seul pari. Imagine que tu fais 40 paris par mois, ce qui n'est pas énorme, il y en a qui font bien plus que ça. Mais même 40 paris par mois, fois 12 mois, eh bien, ça te fait 13 fois 40 fois 12. Si ma calculatrice fonctionne correctement, ça fait 6 240 euros en plus sur l'année. Donc, tu vois, quand je te parle de 6 240 euros, ce n'est pas un chiffre qui est là pour t'attirer, pour te faire cliquer sur la vidéo, etc. Un chiffre que j'ai inventé qui sort de nulle part, un chiffre qui fait rêver. Non, c'est un exemple concret d'un exemple d'un match pardon, de ce soir, au moment où je fais cette vidéo, en Champions League, Chelsea contre Real Madrid. Donc, c'est en plus un match Champions League où énormément de personnes vont parier. Donc, tu vois, c'est pourquoi j'insiste toujours auprès de tous les parieurs, tous les membres qui rentrent notamment aussi dans mon club privé, d'office, je leur donne la formation Betfair. Et dans cette formation, mais ils voient quelle est la procédure, quelles sont les démarches qui ne sont pas compliquées pour accéder à un broker, okay,
Le broker que je conseille, parce qu'il accepte la plupart des résidences, c'est Asian Connect. Et ce broker, eh bien, te donne accès à aujourd'hui, avant il donnait accès à Orbitix, au Betting Exchange Orbitix. Aujourd'hui, il donne accès au Betting Exchange Piwi, mais c'est pas grave, ce sont les mêmes codes, c'est quasi la même chose. Et il te donne accès à, donc, je disais, Piwi 247, qui est un Betting Exchange. Et en plus, petit bonus, sur la même plateforme, sur le fameux Piwi 247, tu as aussi accès au code Pinnacle. Donc tu vas être certain d'avoir toujours le sommet des cotes. Alors pour être correct, hein, j'y pense maintenant, 6 240 €, il y a une petite commission qui est prise par Piwi, qui est de 2,5%, ce qui est rien du tout. Si tu compares au réel Betfair, il est entre 5 et 7%. Piwi, qui offre des cotes de Betfair, est à 2,5%. Donc tu dois un peu corriger, ce serait un peu moins que 6 240. Il faudrait faire le calcul, mais tu multiplies ça par 0,975 et tu auras quelque chose, à mon avis, aux alentours de 6 000 € en plus. Mais ce n'est pas la question, ça te donne un ordre de grandeur. Seulement pour 100 € de mise, si tu paries plus que ça, imagine l'effet que ça. Et seulement pour 40 paris par mois. Alors comme je veux absolument maintenant, je veux absolument que tu accèdes aux meilleures cotes, parce que sans ça, tu n'as aucune chance de réussir dans les paris sportifs. Parier, générer des revenus avec des paris sportifs, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je suppose que tu en es conscient. Donc si en plus tu te mets des bâtons dans les roues et si tu ne te donnes pas les moyens, notamment en accédant aux meilleures cotes du marché, d'y arriver, eh bien tu n'as aucune chance de générer des revenus à long terme, des revenus positifs avec les paris sportifs. Donc ce que je vais faire ici, c'est que maintenant j'ai mis en mode gratuit, avant c'était payant, maintenant j'ai mis en mode gratuit ma formation Betfair pendant quelques moments. Ok, donc profites-en. Ma formation Betfair, où tu verras comment accéder à la procédure exacte en vidéo, comment accéder à Piwi 247, comment fonctionne le Betting Exchange, parce que ça fonctionne un peu différemment d'un bookmaker, et aussi les stratégies de sécurisation. Bref, une formation complète que je t'offre gratuitement. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. C'est cadeau pour moi. Ok, je te remercie de m'avoir suivi et n'oublie pas, fais-moi un petit plaisir, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.